Coucou tout le monde! Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour la première partie du tuto de l'album mariage qui m'a été commandé par une collègue. Je vous montre rapidement ici la collection de papier qu'on va utiliser, donc c'est la Lemoncraft Greenery, mais vous verrez plus en détail lors de la présentation de l'album une fois qu'il sera complètement terminé. Alors, vous aurez besoin pour commencer de deux cartonnettes de 22 par 22, donc deux fois, d'une cartonnette de 22 par 8. Le mien ici, ma tranche fait 8,4, alors soit vous prenez 8, soit vous prenez 8,5. Moi, c'était la chute et au moment de découper, en fait, normalement, c'est 8,5, mais au moment de découper, il y a un petit millimètre en moins. Donc, finalement, mon carton ici fait 8,4, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Et moi, je vais faire une tranche en 6 millicuir comme ceci. Donc moi, j'ai pris un morceau, c'est une chute que j'avais encore, de 15 cm de large. Et la hauteur mesure, je dirais 35 cm. J'ai pas touché dans la hauteur, en fait. J'ai juste pris les 15 cm qu'il me restait. Alors, on va directement relier tout ça. Alors moi, comme à mon habitude, je vais sortir mon petit matériel que j'ai besoin, à savoir mon plioir. Mon grand plioir, pardon, pour faire mes reliures, et mon kit de reliure qui me vient de chez Craftelier. Alors, c'est un kit que vous pouvez trouver un peu sur n'importe quelle boutique, Craftelier, Brico et Scrap, Horizon Créatif. Personnellement, je vous le conseille, si vous ne l'avez pas encore et que vous faites quand même pas mal de structures d'albums, bah ça vous permet un gain de temps et surtout d'être bien droit. Donc après, c'est pas obligatoire, bien évidemment. Vous pouvez vous débrouiller sans, mais moi perso, je ne peux plus m'en passer. Donc, alors, on va commencer par prendre... Ah oui, j'allais oublier, un bon cutter bien aiguisé, naturellement. Donc, moi j'utilise du craft autocollant que j'achète chez Action. Alors, je sais que beaucoup de personnes utilisent du craft gommé, mais moi perso, j'ai toujours utilisé ceci et ça fonctionne très bien. Donc, ce que je fais, je déroule une partie sur mon plan de travail. Je viens coller ma première cartonnette à peu près au milieu de mon craft autocollant. Je viens disposer mon T bien contre ma cartonnette en haut et ici sur le côté. Et ensuite, je prends le morceau de la tranche que je viens ajouter juste à côté, comme ça. Quand les deux morceaux sont bien positionnés, je les maintiens fermement et je retire le T. Et ensuite, je viens rabattre mon craft autocollant, pardon, et je viens rallonger le morceau de manière à recouvrir, si je veux bien couper, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, il se déchire tout seul, voilà. Donc, de manière à recouvrir toute la tranche que l'on vient d'assembler, et on va commencer l'opération pour assembler ces deux morceaux là. Donc on remet un morceau. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je pense qu'il y a un truc ici. Voilà, alors on va retirer un petit bout, c'est pas grave. Voilà, je sais pas, il s'était dédoublé, je ne sais pas pourquoi, un défaut certainement dans le rouleau, c'est pas très grave. Donc on remet un morceau de craft sur son plan de travail. Cette fois-ci, on attrape la partie avec la tranche. On refait la même chose, on le met à peu près au milieu de son morceau. On remet le T de la même manière, donc bien collé au-dessus et bien collé en dessous. J'ai oublié de vous dire, si vous entendez un bruit bizarre, c'est normal, c'est mon ventilateur, il fait très chaud. Mais quand je vous dis très chaud, c'est voilà. Donc je suis désolée, je suis obligée de laisser le ventilateur pendant que je filme. C'est malheureusement pas possible pour moi de rester sans. Alors je vais couper le petit morceau qui est vers le haut là, et hop, on recommence l'opération. On rabat cette partie là, on rabat et on recouvre le reste. Je vais le faire au ciseau, en fait c'est tout aussi simple et moins dangereux. Pour l'instant, on referme le cutter, c'est mieux. Alors maintenant, comme moi je vais utiliser, alors pour celles qui comme moi vont recouvrir leur tranche de 6 millicuir, c'est maintenant qu'on va le faire, avant de venir recouvrir le carton de, comment on appelle, de papier, pour essayer de ne pas avoir trop d'épaisseur.
parce que je l'ai déjà fait en recouvrant d'abord tout mon carton de papier et après seulement ajouter mon simili-cuir et c'était bien trop épais. Du coup, ça gênait l'ouverture de l'album, c'était vraiment pas beau ni pratique. Donc moi, ce que je vais faire, je vais venir mettre des marques, vous voyez, par rapport à... Donc je l'ai positionné en dessous comme je veux qu'il soit. Et je vais venir avec un crayon, de toute façon, que ce soit dans ce sens-là ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Je vais venir simplement marquer jusqu'où doit venir ma colle, parce que pour coller le simili, je vais le faire à la colle et non pas au double face. Par contre, le papier après viendra se coller au double face. Donc voilà, là je mets comme ça. Et donc je vais appliquer de la colle sur toute la partie centrale ici. Ma colle, je vais prendre de la bonne colle, la Hard Glitter, parce qu'il faut une colle qui tient bien et la Hard Glitter est idéale. Vraiment, elle tient parfaitement bien. Donc ce que je fais, et je vais utiliser cet ustensile-ci pour l'étaler. Donc j'y vais gaiement, je n'ai pas peur d'en mettre. Je peux m'approcher du bord, je viendrai. Si mon tube veut bien couler, ça serait cool quoi. D'ailleurs, ce que je vais faire, je pense que je vais faire ça, étant donné que je vais de toute façon l'étaler. Voilà. Et donc, je vais venir l'étaler au plus près de la ligne que j'ai faite. Il faut vraiment qu'il y ait de la colle partout pour que le simili tienne bien. Il faut se dépêcher avec la glitter parce qu'elle a tendance à sécher rapidement. Donc, l'important c'est vraiment au niveau des bords. Voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais prendre mon morceau ici et je vais voilà. Donc, je vais simplement, en essayant d'avoir à peu près la même hauteur en haut et en dessous, je vais venir me coller à la ligne comme ça et comme ça, et à l'aide de mon grand plioir je vais venir maroufler pour faire adhérer. Si la colle dépasse, c'est pas grave parce que de toute façon après on va venir mettre le papier. Donc, on maroufle bien pour faire tenir, pour faire adhérer notre simili. Comme ça, on profite pour un peu travailler le simili au niveau du bord de la cartonnette ici, parce qu'on va venir recoller l'intérieur du simili. Alors, si on n'a pas mis assez de colle ici, on peut toujours en rajouter. Donc, un petit torchon pour enlever le surplus. On fait pareil ici. Voilà. La colle sèche claire, donc ça peut mal de faire des traces. C'est l'avantage de cette colle. On maroufle bien. Ensuite, on va venir rabattre les deux ailettes comme ceci et venir les coller à l'intérieur. Donc là, je vais mettre la colle directement sur le tissu. Je vais utiliser de nouveau mon petit pinceau en silicone pour l'étaler, histoire qu'il y en ait vraiment partout. Sinon, le truc ne prend pas trop le papier, ce serait cool. Voilà, on l'étale un petit peu. Ça s'étale assez bien. J'en ai plein les doigts, c'est pas cool, mais c'est pas grave. Et on vient directement relever ça. Alors, on tend bien. Il faut qu'il soit bien tendu. Pour qu'il soit bien ici au bord. Hein, donc, avec le plioir. On maroufle bien
vers l'intérieur. Comme ça, on enlève s'il y a de la colle qui dépasse. Et on n'a pas peur de frotter pour que ça tienne. On peut frotter aussi dans la reliure ici, sans faire de trou, naturellement. On va faire la même chose avec l'autre côté. Oui, oui. On reprend la colle. On remet de la colle ici et là. Comme ceci. On étale. Pour s'assurer qu'il y ait de la colle partout, partout. Comme ceci. On peut essuyer son petit pinceau là sur le bord. Et hop, on tire bien et on relève vers le haut pour que ça adhère bien à notre structure. Comme ceci. Voilà. Alors, on travaille bien. Et il faut bien laisser sécher, hein, comme il y a de la colle. Il ne faut pas travailler les plis trop vite pour pas que ça se décolle, quoi. On va retourner de nouveau pour vérifier qu'ici, ce soit toujours bien collé. Voilà. Et donc, je vais fermer mon tube de colle pour le moment. Je vais prendre une lingette pour nettoyer mon pinceau, j'arrive tout de suite. Alors, j'ai pris un peu d'avance, j'ai déjà recouvert une première partie pour vous montrer ce que ça va donner. Et je vais vous expliquer ce que vous devez faire pour recouvrir la seconde partie. Donc, il faudra faire la même façon pour les deux côtés. Vous coupez dans une feuille 30-30, vous coupez deux morceaux de 23 par 26 cm. Oui, c'est ça. Donc, vous coupez deux morceaux qui font 23 par 26 de haut et vous allez faire un trait ici, donc à partir du haut à 2 cm, à partir du côté droit à 2 cm, à partir du côté bas à 2 cm, vous tracez un encadrement. Vous faites ça pour ce côté-là et vous faites la même chose pour l'autre côté. À l'intérieur de votre encadrement, vous mettez du double face. Donc je répète, vous prenez votre feuille. En largeur, elle fait 23 cm. En hauteur, elle fait 26 cm. À partir du bas, vous tracez une ligne à 2 cm. À partir d'un des deux côtés, vous tracez une ligne à 2 cm. Et à partir du haut, une ligne à 2 cm. Ça va vous faire un encadrement de 3 lignes, sachant qu'ici, il faut aller jusqu'au bord. Dans votre encadrement, vous allez mettre du double face, de la colle, ce que vous voulez. Moi, je le fais au double face, je préfère. Pourquoi ? Je vais vous montrer. C'est l'espace nécessaire pour coller votre carton. Il rentre pile dedans. Et en fait, j'ai calculé pour que ça dépasse ici au niveau du sky, que ça vienne ici. Donc ici, il y a un peu de trace de colle, mais c'est pas grave. Hein, parce que de toute façon, moi, je vais venir mettre de la dentelle. Et en plus, la colle, elle sèche clair, donc ça va disparaître. Mais en fait, mon papier, il vient 2 cm au-dessus, vous voyez, de mon sky, en fait. Parce que ben, il suffit que vous n'ayez pas coupé hyper droit. On rattrape ça grâce au papier qui, lui, ben, en toute logique, si vous avez un massicot et que vous coupez droit, normalement, votre papier sera droit. Ce qui fait que vous aurez les deux côtés la même manière, puisque je l'ai fait dépasser par rapport à mon carton. En fait, j'ai tout simplement ce que j'ai fait. Mon carton mesure 22 cm. Je l'ai fait dépasser ici de 2 cm. Et j'ai fait dépasser ici par rapport à mon carton de 1 cm. Donc, en fait, il y a 1 cm de papier sur votre sky. 6 mm. Tissu, ce que vous voulez. Ça, c'est pour les personnes qui recouvrent avec un tissu, un sky, un simi, n'importe quoi. Si vous le faites avec du papier, ben vous faites, vous recouvrez la totalité de votre couverture. Pour voir comment je fais quand c'est une structure complète en papier, il suffit d'aller dans une de mes autres vidéos albums. Je fais les structures d'albums à chaque fois avec vous. Donc, ici, je vais vous montrer comment on va faire. Donc, on va venir coller cette partie-là ici au-dessus. Donc on va d'abord enlever toutes les protections pellicule de double face et ensuite
Moi, ce que j'ai fait par rapport à ici, j'ai calculé ici environ sur 3 cm. Donc à partir du bord où il y a votre scotch, vous calculez environ 3 cm là et environ 3 cm ici. On va venir renforcer la partie qui va venir sur le simili avec de la colle. Parce que j'ai peur que juste le double face, ça ne soit pas suffisant. Donc sur toute la partie ici, je vais venir rajouter de la colle. J'espère que je suis claire parce que j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. De toute façon, je vais le faire avec vous, donc ça devrait normalement mieux vous parler quand je vais le faire. Donc vous retirez bien toutes les pellicules de protection. Si je vais trop vite, vous mettez sur pause ou vous ralentissez la vidéo. Hein. Vous avez un bouton sur YouTube qui permet de mettre la vidéo en moins rapide. Pour les personnes qui seraient vraiment débutantes et qui auraient du mal à me suivre, il suffit de mettre la vidéo en moins rapide ou voire carrément de mettre sur pause et de faire les instructions au fur et à mesure. Quoi. Donc ici, vous voyez, donc ça c'est la partie, donc ici il y a les 2 cm qu'on va venir rabattre au-dessus ici après. Et là en fait ça va être collé jusqu'au bout, donc il va y avoir une partie du papier blanc qui va dépasser ici au niveau de votre simili, ici. Ça va dépasser ici au niveau du simili. Et donc la partie qui dépasse ici, j'ai peur que seulement avec le double face, ça ne colle pas bien. Donc j'ai fait 2 petits repères. Histoire de savoir que je dois mettre de la colle. Alors vous mettez bien de la colle que dans l'encadrement, là où vous avez mis votre double face. Il ne faut pas dépasser sur les languettes des 2 cm parce que ça, on va rajouter après de la colle quand on va rabattre. Mais pour le moment, il faut juste mettre de la colle ici. Voilà, donc vous mettez de la colle, je vous montre. Donc vraiment, vous avez fait vos petits marquages à 3 cm là et vous mettez de la colle vraiment ici au bout. Alors maintenant, il faut vraiment faire attention, surtout si vous, comme moi, vous utilisez du double face, à positionner votre carton correctement du premier coup pour ne pas tout foirer. Donc on prend son temps surtout et on y va à son aise. On suit les lignes. Normalement, si on suit les lignes du bas et qu'on a fait un bon encadrement, le carton se met tout seul. Voilà, ce qui est mon cas. Et je vais le retourner directement pour essuyer la colle qui pourrait dépasser comme j'ai eu là tantôt. Donc on enlève directement le surplus de colle qui dépasserait ici. Et vous voyez, ça va faire une tranche toute propre. Je vais vous le montrer plié après. Vous allez voir, c'est nickel. Voilà. Et maintenant, on appuie bien pour faire adhérer le double face. Alors moi, j'ai pris du double face, du score tape. D'habitude, je prends le double face de chez Action, mais j'ai plus facile à utiliser le double face de chez Action directement sur le carton. Or ici, j'ai fait la manipulation inverse. J'ai mis le double face sur le papier parce que j'avais besoin de pouvoir déposer le carton au-dessus du papier et pas faire l'inverse parce que c'était important de savoir où j'allais atterrir sur mon papier. Je ne sais pas si je suis très claire dans mes explications. Donc, on maroufle, on prend son plioir et on maroufle bien pour enlever au cas où le surplus de colle qui pourrait dépasser ici sur le côté. Voilà. Et maintenant, on va faire comme d'habitude, hein, comme une couverture d'album tout à fait normale. On va venir rabattre les 3 côtés, faire nos coins. Donc ce que je fais, je vais déjà mettre il est là, je vais déjà mettre du double face ici, donc sur les, comme ça je mets du double face sur le bas, sur les trois morceaux, comme ça. Et comme ça, ensuite le troisième morceau ici, parfait. Et alors je fais la même chose ici à l'intérieur, je rajoute une ligne de double face au bord de la cartonnette, mais je vais m'arrêter là où il y a mon simili.
Je ne vais pas mettre de double face dessus. Je rajouterai une toute petite pointe de colle à ce niveau-là. Donc, je mets du double face. Je fais mon encadrement comme je fais pour chacune de mes structures. Donc, je m'arrête là où il y a le simili. Je ne vais pas avec mon double face dessus. Comme ça. Hop. Donc, ça, c'est une bonne chose. Alors maintenant, on va bien faire adhérer le double face sur le papier et le carton. Comme ceci. On va couper nos coins. Donc pour ça, j'ai mon outil pour faire les coins, un cutter, et on va simplement couper les coins comme ceci. Et comme ceci. Alors, on va bien les couper. Quand je travaille contre ma main, à contresens, je veux dire, c'est un peu plus difficile. Voilà. Mais c'est pas grave. Alors, si. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va déjà venir avec le plioir, on va détendre le papier ici. Donc, c'est-à-dire qu'avec à l'aide du plioir, vous remontez vos languettes de collage. Vous les détendez déjà un petit peu. Si c'est nécessaire, vous retournez votre travail pour que vous soyez à l'aise en travaillant. Et alors moi, ce que je vais faire, c'est une petite habitude que j'ai prise. Les petits coins que j'ai découpés, je vais les coller pour sécuriser mes coins. Allez, allez, viens. Voilà. Alors, je vais ajouter une petite touche de colle parce que j'ai du double face dessus, mais pas partout. Une petite touche là. Alors, avant de coller les coins, il ne faut pas oublier de retirer son double face. Sinon, on ne va rien coller du tout. Ça va coller sur les protections. Donc, on n'oublie pas d'enlever nos protections. Allez, viens, ma cocotte. Voilà, on met le premier petit morceau. Désolée si vous voyez ma tête, mais il faut que je voie ce que je fais. Voilà, donc je colle mon premier petit coin. Et je vais faire la même chose avec mon second. Alors j'enlève les petits morceaux de protection du double face qui était dessus. Ça, c'est vraiment pas obligatoire. Moi, j'ai pris l'habitude de le faire parce que, comme ça, je suis certaine que si j'ai un loupé au niveau de mes coins, on verra pas le carton. On verra le papier blanc et pas le vilain carton gris qui est en dessous. J'ai pris l'habitude de faire ça parce qu'il fut un temps où je ne réussissais pas mes coins. Et du coup, ça me frustrait parce que c'était pas très joli. En faisant comme ça, on triche un petit peu, certes, mais au moins on rattrape le truc. Donc, et puis en même temps, comme ça, comme il y a quand même déjà le double face dessus, ben, je le gaspille pas. Ça sert toujours, ça renforce les petits coins aussi. Alors moi, pour rajouter, pour renforcer encore un peu, je rajoute une touche de colle là où il n'y a pas de double face. Vous voyez, parce que j'ai mis le double face au bord de mon papier, mais donc il y a toujours une zone sur le papier où il n'y a pas de double face. Donc moi, je mets une petite ligne de colle en plus. Ça permet d'être sûr et certain que ça va coller correctement. Allez, sort. Je crois que mon tube est vide. Je vais devoir, à mon avis, le remplir. Bon, alors, comme je vous l'ai déjà expliqué, on fait les deux côtés qui sont l'un en face de l'autre. On ne fait pas un côté et le perpendiculaire. On fait les deux l'un en face de l'autre. Donc, on commence par ici au-dessus. On rabat le milieu. Et ensuite, on frotte. L'essentiel, c'est d'être bien contre votre carton ici au niveau du bord. On fait la même chose de l'autre côté. Donc moi, par facilité, je vais le retourner. On rabat. Donc, on relève bien contre le bord et on rabat, hop, comme ça. Alors, directement à l'aide d'un chiffon, on vient appuyer et enlever le surplus de colle qu'il pourrait y avoir un peu partout. Et alors, très très important pour avoir de très beaux coins, avant de rabattre le dernier volet, ici au niveau des deux coins, on va venir écraser le papier. Donc, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Ici, vous avez du papier, il faut appuyer avec votre plioir pour l'écraser. Pareil ici.
ici je vais venir l'écraser vraiment comme ça pour le rentrer vers l'intérieur. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez remonter votre languette de pli ici, hop, de collage, toujours bien collé contre la cartonnette, contre le bord. Et alors quand on a fait ça, on passe un petit coup de torchon et ça permet d'avoir vraiment des coins nets et propres. Et voilà. Et comme ça, quand vous regardez ici, ça vous fait une reliure nickel. Vous avez ici l'extérieur en simili. Et alors ici, les deux côtés blancs. Alors moi, de toute façon, ici, sur chaque côté, je vais venir mettre une belle dentelle. Donc ça va finir le travail. Alors maintenant, on va s'occuper de venir recouvrir notre reliure à l'intérieur. Très important, c'est ce qui va permettre à vos pages... Donc c'est ce qui va maintenir vos pages, donc il faut que ce soit très bien, très solide. Donc moi je vais le faire dépasser même de mon... Je vais vraiment venir assez loin, sachant que de toute façon après ici il va y avoir du papier et ici aussi. Donc moi je vais venir avec un papier qui va dépasser mon simili, histoire de bien emprisonner le simili et de tout faire travailler. Donc ici je vais venir prendre un grand morceau de... On va dire... ...21, et par contre en hauteur je vais prendre 22, parce que avec l'arrondi de toute façon ce sera presque au bord. Donc je vais prendre 21 par 22, donc, je vais couper mon morceau de papier, 21 par 22, donc tout simplement je peux prendre une feuille A4, que je vais simplement couper à 22, puisque ben, la feuille A4, la largeur fait 21, donc on laisse les 21 et on prend 22 cm, comme ceci. Je vais venir recouvrir intégralement ce papier de double face, parce que moi je préfère le faire au double face pour une meilleure colle, histoire que ça ne gondole pas et qu'il y ait vraiment une prise, mais partout. Donc, je vais recouvrir mon papier de double face et on se reprend tout de suite. Donc voilà, j'ai recouvert le tout de scotch double face. Finalement, j'ai quand même utilisé mon scotch double face carpette de chez Action pour économiser un peu l'autre qui est vachement plus cher. Et donc, vous le disposez bien. Donc, vous prenez votre temps pour le mettre vraiment là où vous voulez qu'il aille. Donc moi, je vais le mettre bord à bord ici, bord à bord au-dessus. Désolée si vous voyez ma tête passer, mais il faut vraiment que je me concentre, que je sache où je vais le mettre. Donc déjà, je vais commencer par enlever une petite partie du double face, comme ceci, pour la première adhérence, on va dire. Donc j'enlève juste un tout petit morceau, un petit coin, quoi, comme ça. Donc je garde bien les morceaux de la protection à l'extérieur. Je viens bien, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait la même dimension là et là, que ce soit à peu près équilibré. Et ensuite je mets bien mon morceau comme je veux qu'il soit mis, parce qu'une fois que c'est collé, on ne sait pas revenir en arrière. Donc on fait bien en sorte que ce soit bien parti comme il faut, et quand on est sûr de soi, on reste bien fermement appuyé. Vous voyez ici j'ai bougé. Il faut prendre son temps, il ne faut pas avoir peur de prendre son temps, on n'est pas pressé. Et quand on est sûr de la position qu'on veut, on enlève la première protection et la seconde, comme ça. Et ça c'est déjà fait. Et alors maintenant j'ai plus qu'à retourner et enlever toutes les autres pour pouvoir en retirer les petites saletés qui pourraient se glisser en dessous. Et donc on enlève les protections du double face. Allez, on enlève tout.
Une fois que le premier morceau, la première partie est collée, après c'est facile, on peut manipuler, ça ne bouge plus. Donc on retire tout. S'il veut bien. Voilà, et le dernier. Implique. Et alors j'ai plus qu'à nickel. Et ensuite avec mon pliant, je fais bien adhérer tout ça. Je vais déjà enlever mes petits morceaux là de papier. Je retourne mon ouvrage. Donc, je m'accouple bien pour que ça tienne bien. Surtout là où il y a le comment dire en dessous le simili, il faut bien insister. Et alors là on peut commencer à l'aide d'un plioir à venir travailler notre pli pour le détendre. Il ne faut pas appuyer comme une pas appuyer comme des forcenés hein, parce que sinon vous allez déchirer le papier hein. Donc, faut vraiment y aller à votre aise ou n'hésitez pas à aplatir ici le bord. Donc, vraiment y aller en douceur comme ça. On fait la même chose de l'autre côté, on trouve le pli et on le travaille délicatement. On appuie ici et on appuie délicatement pour former le pli. Impec. Et puis tout doucement, vous voyez comme ça, avec le double face, il n'y a pas de risque de bulle, de quoi que ce soit. Délicatement, et on est sûr que quand vous allez... Donc, moi je sais qu'il y a juste ici sur le petit bord où je dois mettre une pointe de colle parce que j'ai pas mis de double face jusqu'au tout au bout malheureusement. Il manque un tout petit fin donc je vais mettre plutôt avec celui-là pour pouvoir passer délicatement sous le papier ici en dessous. Et je vais mettre une toute petite ligne de colle comme ça. Et ensuite comme ça, voilà. Et je referme ça avant que ça ne soit tout à fait bouché. Et on continue de travailler notre papier. On n'est pas pressé. On ne veut pas de bulles. Donc, normalement, avec le double face, il n'y en aura pas. Hein. Mais comme il y a le simili en dessous qui prend quand même de l'espace qui est épais, ça donne de l'épaisseur. Il faut bien travailler pour être sûr que le double face fasse son effet. Hein. D'accord. C'est surtout au niveau des plis ici que vous risquez d'avoir des bulles si vous relevez le carton trop vite. Donc, bien prendre le temps de travailler votre pli pour être sûr et certain. Vous voyez, là, c'est nickel. C'est plié, mais il n'y a pas de bulle au niveau de mon pli. Ici non plus, c'est parfait. Et voilà. Je suis méga contente. Alors ici, par contre, ça colle pas comme je le voudrais. Donc, on rectifie. Une toute petite touche de colle. Et on passe le petit torchon pour enlever le surplus et on laisse bien coller comme ça, ça ne bougera plus. Parfait, de l'autre côté c'est nickel, il y avait du double face de l'autre côté sur toute la longueur, donc voilà, comme ça c'est bon. Voilà, je suis bien contente. Et au moins, il n'y a pas trop d'épaisseur ici. Ça se plie bien. Vous voyez? Ça se plie bien. Donc, de toute façon, on va mettre un petit système de fermeture. Mais vous voyez que l'album reste comme ça, sans problème. C'est pour ça qu'on a fait cette technique de le faire en plusieurs fois. C'est pour qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur à ce niveau-là. Histoire d'être sûr et certain que vous sachiez garder votre album comme ça quoi. Là il doit encore un petit peu se donner parce que le simili est épais, mais
on va mettre un beau petit système de fermeture ici, ça va vraiment être sympa. Alors, je suis vraiment contente, ça me plaît bien, un bon début. C'est un bon début. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va réfléchir au nombre de pages qu'on va mettre là. Si je fais un espace d'un et demi, donc on va pas se mettre au bord, hein. On va laisser, on va dire, un petit millimètre de battement. Donc on va dire 1,5, 3 ça fait 2, 4,5 ça fait 3, 6 ça fait 4, 6,5, on peut faire 5 pages dans cet album. On peut faire 5 pages en faisant une tranche de 1,5. Ouais. 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5. 7,5. Par contre, j'ai pas pensé à ça, c'est que là, j'ai 1,5 qui va dépasser. Elle va venir à 3. Donc, elle va venir là. La première va venir là. On va coller la deuxième, elle va venir à 3. On va coller ici. La troisième, elle va venir à 4,5. La 4... Donc non. Je pense qu'on va centrer, on va faire 4 pages. On va centrer sur 8 cm au milieu ici. Comme ça, on aura un peu d'aisance. Et on va faire 4 pages. Une, deux... Je réfléchis à ça et je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour. Donc j'ai réfléchi au nombre de pages qu'on allait mettre à l'intérieur. J'ai pris un peu d'avance, j'en ai déjà fait quelques-unes et j'en ai gardé une que je vais monter avec vous. Ensuite on va les coller ensemble et j'ai déjà aussi réfléchi à ce que j'allais mettre ici de chaque côté. J'ai coupé les papiers, j'ai gardé les mesures pour vous montrer tout ça. Donc on va pour le moment mettre notre album de côté. Et on va pour l'instant commencer par faire les pages. Alors moi j'ai décidé de faire des pages avec un insert et l'insert j'ai utilisé ce dies-ci avec la bordure festonnée que vous voyez là tout autour. Donc je vais vous montrer les pages que j'ai déjà faites, il y en aura 4. Il y a 4 pages avec ici à l'avant une pochette avec un insert qui restera blanc comme ça. Ce sera un bel espace photo parce que comme c'est un album mariage, il faut avoir des grands espaces photos. C'est important, je trouve, dans un album mariage. Donc à la base, c'était je faisais le tuto de l'album que j'ai offert il n'y a pas très longtemps à mon collègue, mais il y aura des variations. Moi perso, j'aime pas faire deux fois la même chose. Donc je vais me baser sur l'album que vous avez en présentation dans la chaîne, mais il y a quand même des petites modifications, tout simplement parce que moi, voilà, j'ai besoin de m'amuser, de prendre du plaisir quand je fais quelque chose, et recopier deux fois la même chose, je n'aime pas, tout simplement. Donc je vais vous donner les mesures pour faire ces pages-ci. Donc pour faire ces pages, vous aurez besoin de deux découpes, en tout cas une. Moi je les ai doublées, je vais vous montrer. Je les ai doublées, donc sur mon insert, j'ai mis une découpe à l'avant et une autre à l'arrière, de 1 parce que comme ça, ça fait plus joli des deux côtés quand on regarde, puisqu'on pourra mettre une photo de chaque côté, et de 2, ça solidifie la découpe, et donc pour la tenue dans le temps, je trouve que c'est important, et voilà, c'est quelque chose quand même qui doit être assez robuste, donc même si mon papier c'est déjà du papier épais, puisque c'est du 210 grammes, je préfère la doubler et ne pas prendre de risques, et ça permet d'avoir quelque chose de plus solide quand on enlève notre insert. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit ou quoi, il y a un orage en fait, il fait extrêmement chaud mais il y a un gros orage en même temps, c'est une horreur.
Mais bon, malheureusement, il faut bien prendre le temps qu'on a pour pouvoir scraper. Il faut que j'avance dans mon projet. Donc voilà. Donc moi perso, j'ai choisi cette découpe-là. Après, vous pouvez choisir n'importe quelle dies bordure, n'importe quelle perforatrice de bordure. Ça fera l'affaire. Prenez ce que vous avez à la maison. Il n'est pas nécessaire d'avoir forcément tout à fait la même que moi. Mais au cas où vous voudriez quand même, c'est la Regal Border and Pocket de Hertfeld Création. Alors, vous la trouverez pas. Déjà parce que c'était une collection qui était plus vendue bien avant la fermeture de la boutique et de la marque surtout. Et donc, comme la marque ferme ici à la fin de l'année, je pense que les produits Hertfeld, on va vraiment avoir de plus en plus de mal à les trouver. Après, moi, j'en ai tellement que je vais continuer à les utiliser, mais vous avez toujours des possibilités d'utiliser autre chose à la place, hein. Donc, deux petites découpes. Alors, il vous faut un carré de 20 par 20. Dans le cardstock de votre choix, moi j'ai tout fait en blanc pour l'instant. Les pages sont en blanc aussi. Et donc un carré de 20 par 20 qui nous servira d'insert sur lequel on va venir coller tout de suite nos découpes. Alors la page de base, vous devez faire une page qui mesure 23,5 cm sur 21. Donc il faut utiliser des pages 30-30 forcément. Donc 23,5 cm par 21. Vous faites un pli à 2 cm et à 2,5 cm. Donc, sur les 23,5, vous faites un pli à 2 et à 2,5 pour avoir une pâte de collage de 2 cm. Donc moi j'ai déjà mis mon double face parce que je colle mes pages au double face dans mon album. Vous pouvez le faire à la colle si vous êtes plus à l'aise avec la colle et pas du tout avec le double face. C'est selon ce que vous préférez. Donc la page, ce sera comme ça, puisque là on a notre gousset d'aisance. Voilà, j'ai prévu un petit gousset, pardon, d'aisance. Et en fait, elle va se coller dans ce sens-ci. Puisqu'on va venir mettre notre insert ici. Maintenant, j'hésite. Est-ce que je ne vais pas plutôt la coller comme ça? Et alors, la pochette sera à l'intérieur. Ça, on verra après quand on sera dans l'album. Donc, toujours est-il que on va venir coller notre pochette ici. Alors, pour la pochette, vous allez avoir besoin. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que vous allez avoir besoin de tout en 4 fois, évidemment, puisqu'il y a 4 pages. Donc, vous faites 4 morceaux comme ça pour la page principale, hein, de 23,5 par 21, avec votre pli à 2 et à 2,5 pour faire le gousset d'aisance. Vous faites 4 fois le morceau de 20 par 20. Au niveau des découpes, pardon, ben, soit vous les faites 8 fois, soit 4 fois, en fonction de si vous les doublez ou pas. Et ici, pour ce qui nous servira de pochette, vous allez avoir besoin de 4 morceaux du coup, de 21,8 par, je crois que c'est 22,8, j'arrive même pas à me relire, attendez, hein, que je vous dise pas de bêtises. Donc ça c'est 21,8 et là, du coup c'est combien? 22,8, oui. Donc vous faites 21,8 sur la hauteur, 22,8 sur la largeur, et vous faites un pli à 1 cm à gauche, 1 cm à droite, et un autre centimètre en bas, pas au-dessus. Donc je répète, vers la hauteur 21,8, en largeur 22,8, à gauche un pli à 1 cm, à droite un pli à 1 cm, et en bas un pli à 1 cm. À l'arrière, moi j'ai déjà mis mon double face, ensuite on va venir biseauter. Moi, je le mets avant, ça me permet de bien le mettre. Et donc, je viens biseauter au niveau de mes coins. Et mon double face m'aide à savoir où se trouve ma jonction. Et je biseaute également ici au niveau du pli de gauche et de droite, comme ceci. Ensuite, je vais plier à l'aide de mon plioir. J'insiste bien sur les plis, comme ceci. Je ramène comme ceci. Donc, moi, j'ai décidé de garder le côté texturé à l'extérieur parce que ce sont des feuilles qui ont un côté lisse et un côté texturé. Et comme sur ma couverture d'album, j'ai utilisé le côté texturé, j'ai décidé de garder les pages texturé également. Alors, je vais déjà décoller ici une partie un tout petit peu en fait pour s'il veut bien. Voilà, comme ça, je fais déjà tenir le coin dessus, comme ça. Et alors, je fais pareil
ici. Voilà. Et en fait, pourquoi des mesures comme ça de 21,8 et 20,8? Tout simplement parce que la page ici, donc une fois que vous avez abaissé votre gousset d'aisance, ça mesure 21 par 21. Et je voulais avoir un petit millimètre de chaque côté, histoire de ne pas gêner le pli et de ne pas être tout à fait au bord ici. Donc ce qu'on va faire, moi je vais déjà ici relever un tout petit peu, un petit peu de protection du double face pour m'aider à coller mon papier. Je vais me positionner correctement. Donc je laisse un tout petit millimètre là et un tout petit millimètre ici. En dessous, je peux me mettre au ras. Ça, c'est comme vous voulez. Et une fois que je suis bien positionnée, je bloque mon papier et je décolle là où j'ai déjà mes ailettes. Celui-ci s'est refermé, donc on va aller le récupérer. Ici, voilà. Donc, je retire déjà les protections sur ces deux côtés-ci. Je passe mon plioir. Et ensuite, j'aurai plus qu'à venir décoller la protection ici en dessous. Et ma pochette sera placée. Voilà, un petit coup de plioir pour bien faire adhérer tout ça. On jette les protections de double face. On se remet correctement. Et voilà, la pochette est positionnée. Et maintenant, il n'y a plus qu'à venir coller le... comment on appelle ? Les découpes. Alors, pour que les découpes soient, que vous ayez un aspect au niveau de vos pages quand elles sont comme ça, que toutes vos découpes soient plus ou moins alignées, on va prendre un insert qu'on a déjà fait. Donc vous faites le premier, vous essayez de centrer par rapport à la découpe que vous aurez choisie. Moi par exemple ici, j'ai à peu près 2 cm, 2 cm et demi de chaque côté, à peu près, hein. C'est pas une science exacte. Et donc, moi, une fois que vous avez collé le premier, ensuite, il ne reste plus qu'à vous mettre avec votre autre morceau sur lequel vous allez coller votre découpe. Vous le mettez bien aligné, je vais y arriver. Je suis fatiguée, du coup, j'ai du mal à trouver mes mots. Alors, je vais prendre ma colle avec mon embout de précision. Pour ne pas en mettre 3 tonnes, on vient mettre une fine ligne de colle. Alors, il faut adapter la manière dont vous allez coller votre découpe en fonction forcément de la découpe que vous aurez choisie. Hein. Donc là, je vous montre comment je fais pour coller celle-ci. Voilà. Donc, on reprend ces deux morceaux. On les met bien l'un contre l'autre pour qu'ils soient bien alignés. Et je vais simplement venir aligner ma découpe à celle d'en dessous. Donc j'essaye de directement lui trouver la bonne position. Une fois que c'est ok, je retire l'autre en dessous au cas où il y aurait un peu de colle, comme ici d'ailleurs, qui s'échapperait. On peut enlever celle-ci et ensuite on peut se concentrer pour bien coller celle-là. Alors moi je relève un peu pour qu'elle soit bien alignée à mon papier comme je le souhaite. Voilà. Donc, le côté texturé, donc c'est le premier côté qu'on va voir quand on va retirer l'insert. Je n'ai collé que le bas de ma découpe. Maintenant, ce que je vais faire, je vais en coller la deuxième intégralement. Et je vais venir simplement la superposer sur l'autre. Ça va donner un plus bel effet quand on va retourner l'insert. Il y aura une jolie découpe de chaque côté et en plus ça va les rendre bien plus robustes et donc au niveau de la manipulation voilà, ce sera moins fragile, surtout que sur celle-ci il y a des petites arabesques, des toutes petites pointes, etc. Avec le temps ça peut un peu s'abîmer, surtout que quand vous allez coller vos pages dans l'album, les découpes vont un tout petit peu dépasser de l'album, donc il faut quand même veiller à ce que ça ne s'abîme pas à la première utilisation, j'ai envie de dire. Mais j'avais vraiment envie d'utiliser cette découpe. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Alors ça,
C'est un jeu de patience hein, d'en coller les découpes comme ça, pleines d'arabesques. Mais avec un tube, avec un bout de précision, très sincèrement, ça va tout seul. Donc pas de souci. Ensuite, un petit tour de colle tout autour là. Là, j'en mets un peu comme ça. Tac, tac. On y arrive, on y arrive. Voilà. Et une fois qu'on a mis assez de colle, il suffit de prendre sa découpe et de venir la positionner bien au-dessus de l'autre, comme quand on veut faire une découpe pour faire une image crochetée. Il faut les doubler aussi pour qu'elles soient plus robustes et qu'elles résistent au passage du crochet. Bah, c'est un peu le même principe, tout simplement. Donc là, je relève un peu pour m'assurer que tout est bien aligné, que ce soit pas trop décalé, voire pas du tout, c'est même encore mieux. Comme ça. Et alors, quand je suis satisfaite, j'ai plus qu'à bien appuyer. Comme ceci. Alors, on frotte son plan de travail pour effacer le surplus de colle qui pourrait en sortir. Et ensuite, on laisse un petit peu sécher pour que s'il y a quelques petites pointes de colle qui dépassent. Voilà. Et je suis contente. On vérifie. Normalement, les deux, vous voyez, c'est bon. Impec. Donc au niveau des pages, vous faites ça 4 fois. Une fois que vous avez fait votre insert, il n'y a plus qu'à le mettre dans votre page. Ça rentre tout seul parce qu'on a fait un insert de 20 par 20, donc il y a largement l'espace pour la glisser. Et ces inserts-là, on ne va rien faire. On ne va pas rajouter de papier, rien dedans. Ce qui aura quand même l'épaisseur des deux photos puisqu'on va en mettre une de chaque côté. Donc il n'est pas nécessaire de rajouter du papier ou quoi que ce soit d'autre au niveau des inserts. Alors, moi, par facilité pour coller mes feuilles dans mon album et pour ne pas abîmer surtout mes inserts, je vais les retirer. Je vais les mettre de côté parce qu'on va les mettre vraiment à la toute fin quand l'album sera terminé. Ça ne sert à rien de prendre le risque de tout abîmer, hein. Donc, on retire nos petits inserts. On vérifie juste bien que dans chaque page, ça rentre, hein. Mieux quand même. Voilà, donc quand vous avez fait vos quatre pages ainsi que vos quatre inserts, on va coller nos pages dans l'album tout simplement. Donc pour ça, on prend son album. Alors j'ai calculé, j'ai fait en sorte qu'il y ait suffisamment d'espace entre chaque page pour que si on met du volume, ça ne pose pas de problème pour les ouvrir tout simplement pour que ce soit aéré et qu'on puisse sans aucun problème mettre un petit peu de volume. Alors moi j'ai prévu à la base, donc la page elle est comme ça, l'ouverture de l'insert est ici, moi j'ai prévu de les mettre comme ça. On a une tranche de 8 cm, de 8 cm et demi, sachant qu'on a fait des pattes de collage de 2 cm. On décale la première page, on va la coller à peu près à 5 mm de la pliure, comme ça on ne gêne pas la pliure, ça c'est très important. Et ensuite on va venir simplement les coller contre les unes aux autres et la dernière page arrivera vraiment au bon endroit. En hauteur, donc c'est la première qui est vraiment importante de bien coller droit. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire une petite marque. Donc la hauteur ici de la page c'est 21 et je pense que l'album fait 22. Donc on a environ 5 mm en haut et 5 mm en bas. Donc ce qu'on peut faire c'est faire une petite marque à 5 mm, mais toute fine, hein, de manière à pouvoir l'effacer après, hein. On fait une petite marque à 5 mm en bas et on peut même se faire ici une petite marque à 5 mm de manière à savoir où doit venir le coin. Quand la première page est posée, normalement les autres se posent toutes seules sans problème. Voilà, donc on fait ici en bas une petite marque à 5 mm et sur le côté à gauche une petite marque à 5 mm et on va pouvoir venir positionner notre feuille comme ça. Voilà, et en fait ça va venir comme ça, donc c'est parfait. Alors
soit vous le faites à la colle, soit vous le faites au double face. Moi, je préfère le faire au double face pour une meilleure prise, prise rapide et meilleure tenue surtout. Donc, on va faire la première, comme ceci. Prenez bien votre temps, parce qu'une fois que c'est collé, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc, la petite pointe ici. On se met bien droit. Et quand on est bien, qu'on est sûr de comment notre feuille est positionnée, moi ça me paraît vraiment bien. J'ai bien mon bord de 5 mm en dessous, la même chose ici au-dessus. Donc quand je suis contente de ce que ça donne, je retire les petites protections, si elles veulent bien s'enlever. Hop. Sans bouger le papier et on appuie. Ensuite, on vient faire adhérer tout ça. Alors ne vous inquiétez pas, on va venir mettre du papier décor hein, ici de toute façon au-dessus, donc il n'y aura pas de souci. On va venir mettre du papier décor. Donc la première page étant posée, les autres, il suffit en fait après, donc toujours bien veiller à les mettre dans le bon sens, il suffit de les mettre bien contre. Si vous vous mettez bien contre, elles vont se mettre toutes seules et il n'y aura aucun problème, ce sera bien droit. C'est vraiment la première qui est hyper importante de ne pas de bien la mettre quoi. Et bien faire vos, mais faites bien vos plis avant de. Donc ici j'ai ouvert le haut, comme ça, ça me permet de la positionner en bas. Donc bien contre. Comme ça. Si vous voulez être sûr avant de coller, on peut aussi. Il faut vraiment bien se mettre contre. Donc on prend bien son temps. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose où vous devez vraiment prendre votre temps, hein, parce que c'est ce qui va faire que votre que tout votre travail sera droit. Hein. Vous voyez, c'est bien bien aligné, donc c'est top. Quand je suis sûre de moi, hop, je peux appuyer comme ça. Ouais, franchement, c'est bien. Elle est bien droite par rapport à l'autre, impec. On fait la prochaine. Voilà, donc on a bien nos 2 cm ici, plus le gousset d'aisance, donc ça c'est bien aussi. On se met donc bien dans le bon sens. Donc moi j'ai travaillé mes plis avant, hein, pour la dernière que j'ai faite avec vous, je ne l'ai pas encore travaillée, je vais le faire tout de suite. Mais ah ben si, je l'avais déjà préparé, j'avais déjà collé le double face. Donc bien au bord. Je crois que je vais défaire le bas, ce sera plus facile, je crois, que de défaire en haut. Alors, vraiment, vraiment bien aller au bord. Je suis désolée, là, si vous ne voyez pas bien, mais je suis obligée de vraiment m'assurer que je suis bien positionnée par rapport à mon travail. J'ai pas envie de tout rater parce que je serais mal mise, quoi. Nickel, je suis trop contente, ça marche bien. Parce que parfois, moi aussi, je vous assure, c'est pas toujours évident. Hein. C'est pas parce qu'on fait des tutos qu'on fait jamais de bêtises. Hein. Que du contraire, ça nous arrive bien plus souvent qu'à notre tour.
de nous tromper, de foirer le truc. Alors, la plupart du temps, j'arrive à récupérer mes boulettes, mais parfois, rarement, mais parfois, c'est pas le cas. Et alors, c'est hyper frustrant. Mais vraiment. Ben, vous voyez là, j'en ai fait une belle, quoi. Mais vraiment. Alors, c'est pas grave, rien n'est perdu, mais le truc, c'est que du coup, voilà, j'ai collé ma feuille du mauvais côté. Vous voyez, Miss Boulette, c'est qui? Ben, Miss Boulette, c'est moi. Normalement, ma pochette, là, elle aurait dû être collée de ce côté-là. Et or qu'elle est collée de l'autre côté. Non, mais sérieux, quoi. Et si je la mets comme ça, je peux laisser le double vase ici, ça, c'est pas grave, parce que de toute façon, je vais mettre du papier décor par-dessus. La seule chose, c'est que du coup, là, j'ai du papier lisse et que ben, là, je vais me retrouver avec du papier texturé. Donc, qu'est-ce que je fais? Et qu'en plus, ici, du coup, de ce côté-ci, j'ai pas ma pochette. Ma pochette, elle est par ici. Ah, s'il vous plaît. Je vous dis encore de faire attention, hein. Oh là là. Donc, ne vous trompez pas de sens, hein. Il faut coller votre pochette du côté où il n'y a pas le double face, évidemment. Donc, c'était tellement bien parti. Sinon, c'est pas drôle, hein. On est d'accord. Sinon, c'est pas drôle du tout. Bon, ben, je pense que je vais quand même le laisser. Je vais laisser comme ça, tant pis. Il y aura une page où l'arrière sera texturé. Et ici, ben, c'est lisse. Ma foi, c'est pas très grave, hein. C'est pas grave. Ou alors, je garde ça pour un prochain album. Et je recommence. Oui, je vais faire ça. Je vais garder ça pour un prochain album. J'en ferai d'autres, de toute façon. Je vais recommencer ma dernière page. Et je reviens tout de suite. À tout de suite. Bon, quand je vous dis qu'il y a des jours où ça ne va pas, ben, il y a vraiment des jours où ça ne va pas. Vous savez quoi? J'ai dû recommencer toutes mes pages. Je vais vous mettre une petite note au début de la vidéo. Les pages, il ne faut pas faire un décalage de 5 mm. Il faut coller la première page au ras du pli. Mais vraiment au ras du pli, hein. Donc ici, vous avez le pli. Ben, vous mettez votre page, donc vous relevez votre cartonnette de gauche ici comme ça. Et vous mettez vraiment votre papier juste après le pli, au ras du pli. Parce que sinon, ici, à la quatrième page, en fait, j'arrivais dans le pli là. D'ailleurs, on voit un peu, j'ai réussi à retirer les pages, c'est un peu déchiré, mais comme je vais mettre du papier décor, on verra plus rien, hein, il n'y a pas de souci. Ça sera caché une fois que l'album sera habillé, on va dire. Mais la dernière page, en fait, le gousset d'aisance arrivait juste dans la pliure, ce qui n'était pas du tout bien. Et donc maintenant, c'est bon, c'est nickel, vous voyez, les quatre pages sont bien positionnées, toutes dans le bon sens, hein. Ça me paraît quand même être important. J'ai refait la quatrième parce que ben, je m'étais trompée de sens, hein, ça je vous avais dit. Mais donc surtout, je vous mettrai de toute façon un petit « i », attention, j'attirerai votre attention là-dessus, qu'il ne faut vraiment pas faire le décalage de 0,5 comme je vous avais dit de le faire. Mais moi je vous conseille de toute façon, avant de vous lancer, de regarder une fois tout le tuto, parce que je suis la reine des boulettes ces derniers temps, et évidemment quand je le fais hors tuto, j'ai aucun problème, et ici, ben, je fais en tuto, donc je collectionne les bêtises, je me donnerai vraiment des claques par moment. Franchement, je me fatigue toute seule de faire autant de bêtises, quoi. Et bon, bah du coup, voilà. Alors, donc au niveau des pages, on est OK. Maintenant, on va passer à une partie de la déco ici. On va pas tout faire aujourd'hui. Tout simplement parce que pour pouvoir travailler dans mon album par après, je veux que pour pouvoir le déposer à plat. Donc, ce qu'on va juste faire pour l'instant, c'est venir habiller nos pages. Alors, je vais vous dire ce que moi, j'ai choisi. Donc, moi, j'ai choisi de faire un double matage avec les deux papiers, donc le beige et le vert. Et ensuite, de venir ajouter mon papier de collection. Si vous faites comme moi, vous allez avoir besoin, pour là et là, de deux morceaux qui font... je pense que dans ce sens-là, c'est 20,8. Voilà, donc en largeur 20,8, en hauteur 21,8. Donc en largeur 20,8, en hauteur 21,8. Et ça va venir se coller comme ça. Il y aura un fin tour blanc qu'on verra. Par-dessus, je vais mettre un morceau
vert. Celui-là, j'ai décidé de laisser 2 mm de chaque côté pour laisser plus ressortir le papier beige que le blanc. Donc vous allez avoir besoin en largeur de 20,4 et en hauteur 21,4. Donc 20,4 en largeur, 21,4 en hauteur. Et on va venir les coller comme ceci. Et ensuite, par-dessus, il y aura notre papier déco. Alors moi, comme je vais faire une couverture avec une image crochetée à la demande de la personne qui m'a commandé l'album, elle veut absolument, comme j'ai fait pour l'autre, l'image crochetée par-dessus. Donc j'ai choisi de prendre un papier comme ceci, avec un peu de dessin, mais pas des arabesques et des choses comme ça, parce que moi je vais faire une déco florale comme je fais d'habitude. Et au niveau du papier déco, il fait 20 par 21. 20 par 21, et ça laisse juste un débord vert tout autour pour faire ressortir mon papier. Donc moi, c'est ce que ça va donner. Alors j'ai déjà crocheté le rond. Je n'ai pas encore... donc j'ai déjà une idée de la décoration que je vais mettre à l'intérieur du rond. Mais ça, je ne le ferai pas tout de suite. Je le ferai vraiment à la fin. Et surtout, je ne vais pas coller mon rond crocheté maintenant. Tout simplement parce que je veux pouvoir travailler en ouvrant l'album à plat après. Mais pour vous donner une idée, ça va venir comme ça. Donc ici, il y aura les petits crochets collés ici au milieu pour pouvoir laisser... Donc je vais faire une fermeture avec un ruban et un petit nœud. Donc il y aura le petit crochet comme ça. Et j'ai trouvé dans mes trésors une breloque qui est vraiment bien accordée avec la couleur de mon papier. Donc voilà ce que je ferai au moment de... Donc la tâche ici, limite, je pourrais déjà la coller, mais je préfère le faire vraiment à la fin pour être sûre de ne rien abîmer. Quoique, je me dis que ça, je pourrais déjà le coller, histoire que j'ai pas l'épaisseur des pages. Oui, je pense que ça, on va déjà le coller. Donc je vais faire chauffer mon pistolet à colle et on revient. Et je reviens tout de suite. Je vais juste vous montrer l'arrière, comment ça va se présenter. Donc la même chose, hein, j'ai un papier beige de la même dimension que le beige ici. Un papier vert qui va venir se positionner au-dessus. Donc ce sont les mêmes dimensions, donc vous faites vos papiers en deux fois. Et ensuite, par-dessus, moi j'ai choisi ce morceau-là, avec la décoration florale que je vais mettre ici sur la... vers l'intérieur de la tranche, parce que par ici, il va y avoir la fermeture de mon album avec mon ruban. Donc ici, certainement, que je vais donc venir déjà coller le ruban et mettre quelque chose par-dessus. Donc si je mets le papier dans ce sens-là, bah, tout simplement, cette partie-là va être cachée par le ruban. Donc ça, je ne veux pas. Donc je vais le mettre comme ça. Voilà. Les deux papiers viennent de la collection 30-30. Et j'ai redimensionné à la bonne dimension, tout simplement parce que le papier 20-20 fait 20,3 par 20,3. Or, moi, j'ai besoin en hauteur qui fasse 21. Donc, il fallait que je prenne dans les papiers 30-30. Donc, je vais coller tout ça hors caméra. Donc ici, si vous faites la même chose que moi, ben vous prenez simplement le milieu là, vous venez coller votre petite attache. Donc vous veillez bien à ce que le crochet rentre à l'intérieur, ce qui est mon cas, comme ça. Donc moi je vais le coller avec la hard glitter et ça au pistolet à colle par-dessus. Mais ça je vais le coller à la hard glitter, parce qu'avec la hard glitter il n'y a aucun problème. Donc je vais d'abord coller les papiers. Et comme ça, après quand tout mon album sera terminé, j'aurai plus qu'à coller mon image crochetée, mais donc la décoration qu'il y aura ici, je vous la montrerai vraiment à la fin. Parce que ça, je ne vais pas le faire en caméra, je vous le montrerai vraiment à la fin quand l'album sera fini. Donc je colle ce que j'ai à coller, puis je vous montre le résultat. Bon ben voilà, comme vous pouvez le voir, finalement, j'ai quand même fait un début de déco. Il y a juste les fleurs, que ça, je viendrai vraiment faire à la toute fin. Mais ça va, c'est pas trop en relief, donc comme ça, ça vous permet de voir un petit peu déjà ce que ça va donner. Donc j'ai déjà aussi attaché mon crochet ainsi que la décoration qui vient cacher le crochet pour la fermeture d'album. Et vous voyez mon crochet ici, la deuxième partie rentre parfaitement, donc nickel, aucun souci. Alors j'ai mis également un petit chipboard bois journée magique. Alors j'ai fait une espèce de petite composition, donc ici c'est vide parce qu'il va y avoir la composition florale que je vais faire vraiment à la toute fin. Donc ici ce sera caché par la compo florale, donc ça ne sert à rien que je mette quelque chose ici.
Et ici, en fait, j'ai utilisé, donc dans la collection de papier que j'utilise pour faire l'album, il y a des die-cuts à découper. Alors, je ne suis pas une grande fan des die-cuts à découper, je ne suis pas trop à l'aise avec ça, mais ceux-là, ils sont assez simples dans le sens où il y a un contour blanc tout autour. Et j'aimais bien l'idée du parasol en dentelle avec les mariés dessous. Donc voilà, j'ai mis aussi une colombe parce que ça tenait à cœur à la personne qui m'a commandé l'album d'avoir une colombe. Et j'avais justement reçu la colombe par Marilyn lors d'une précédente commande en cadeau. Donc c'était parfait, ça tombe à pic. Et j'ai fait voilà un petit montage de die-cut avec les mariés, les feuillages. Et alors pour crocheter le contour ici, j'ai utilisé le coton DMC Petra, le code, donc c'est la taille 5 et c'est le code 148 86 87. Pour les Français, 148 76 77. C'est une bobine de 400 mètres. On peut le crocheter en 1,752. Donc en fait, ce que moi je fais, le tour de base pour passer dans le trou, je le fais avec un crochet 1,25. Et tout le reste, je le fais avec un crochet 1,50 parce que je veux que ça reste fin. Et comme le rond était déjà très grand, je voulais pas que ce soit trop volumineux au niveau de la frise autour. Alors j'ai également agrémenté avec un petit peu de dentelle. Comme vous le voyez, une fine ligne de dentelle. Donc la dentelle que j'ai utilisée, c'est celle-ci, la Vassen Créative. Elle est comme ceci. J'aime beaucoup. Je voulais rajouter un peu de dentelle, mais je voulais pas que ce soit une grosse dentelle, puisque de toute façon il y a une partie ici qui va être cachée par la compo florale. Mais j'avais envie de cacher un petit peu l'intersection entre le sky et les papiers. Et ça met une petite touche supplémentaire. Alors ici, je vais, à mon avis, rien mettre du tout parce que j'aime beaucoup l'effet cuir comme ça. Et voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc la déco ici, évidemment, elle n'est pas terminée. Il va y avoir les fleurs. Je vais certainement rajouter par-ci par-là des touches de perles. D'ailleurs, je crois que je vais faire, avant de mettre mes fleurs, un contour de perles ici. Là. Et je vais le rajouter ici. Donc avant de mettre mes fleurs, je rajouterai certainement des perles ici tout autour du rond. Mais donc ça, je ferai plus tard. Alors le mot journée magique, en fonction de voir avec les fleurs ce que ça donnera, soit je le laisserai brut, soit je mettrai quelque chose de nacré par-dessus, ça je ne sais pas encore. Mais donc la première partie du tuto est à présent terminée. Le prochain tuto, on passera à la page 1. Donc attendez, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ce sera la page 1 et la page 10. Les inserts, ben moi je les mettrai vraiment à la fin, quand tout sera terminé, pour pas les abîmer. Donc il y aura un tuto par semaine, parce qu'en semaine j'ai vraiment pas le temps de filmer, de scraper, etc. Donc je ferai chaque week-end, il y aura un tuto avec une partie supplémentaire. Sachant que de toute façon l'album doit être terminé. Moi, je veux l'avoir terminé pour fin juillet maximum, parce qu'après, je dois commencer avec mon partenariat pour la boutique de Marilyn. Donc vous aurez, avant de voir la première partie de ce tuto, vous aurez la partie présentation avec les papiers que je vais utiliser pour cet album, plus la présentation du partenariat que je vais faire avec grand plaisir pour la boutique scraperie.fr. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une bonne semaine, une bonne fin de dimanche, parce qu'on est le dimanche 9 juillet. Donc voilà, demain c'est mon anniversaire, petit aparté, pensez à moi. Voilà, et je vous fais plein d'énormes de bisous, et je vous dis à la semaine prochaine avec la suite du tuto. Ciao, ciao, ciao!